Salut tout le monde, c'est Mikadox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Alors aujourd'hui, en fait, voilà, je fais cette petite vidéo car récemment, je me suis mis à faire une nouvelle pratique sur GTA V qui concerne les courses stunts. Voilà, il y a à peu près peut-être genre 2 semaines, j'ai commencé à m'y mettre, ou du moins à regarder un petit peu ce qui se faisait dans le jargon. Et il y a même pas peut-être une semaine, j'ai regardé une vidéo, enfin même un live de Rockstar qui faisait des courses stunt en direct. Et du coup ça m'a vachement plu, donc du coup j'ai eu envie de commencer à faire du stunt. Mais avant tout ça, je tenais à m'excuser juste de la qualité de la vidéo qui est un peu dégueulasse. Je le rappelle, je filme avec ma caméra 720p, c'est pas ce qu'il y a de mieux, j'ai pas encore de boîtier d'acquisition. Mais ne vous inquiétez pas, j'y penserai, promis. Voilà. Si jamais vous voyez des petites coupures dans la vidéo, c'est normal, c'est parce que des fois je me suis cassé la gueule malgré que je connaisse le parcours par cœur. Voilà, il y a toujours des petits fails et voilà, au lieu de vous montrer comment je me casse la gueule, je préfère vous montrer juste de quoi, ce dont j'ai envie de vous montrer, voilà. Alors, que dire de beau ? Donc oui, comme je vous ai dit, récemment j'ai commencé les courses stunt. Donc là en fait nous sommes sur l'une de mes dernières courses stunt du nom de Stunt and Fun. Voilà, donc on va dire que je suis vraiment débutant mais je commence à m'améliorer un petit peu. Il faut savoir que j'ai fait 3 courses, donc il y a celle-là, il y a Stunt and Fun, il y en a une autre qui s'appelle Stunt and Docks. Et la toute première que j'ai fait qui s'appelait Docks tout court, voilà, j'avais pas trop d'idées. Si jamais vous voulez les essayer, il faut savoir que dans la description j'ai mis le lien dans lequel vous pourrez aller ajouter ces courses. C'est très simple en fait, une fois que vous êtes sur le site, c'est marqué juste en bas de la petite miniature de la course, c'est marqué ajouter au jeu. Et bien vous cliquez dessus, ça va vous l'ajouter, et enfin quand vous irez vous connecter sur votre Xbox et que vous... comment dire, et que vous jouerez au jeu, et ben quand vous hébergerez une mission, vous mettez mes activités, favoris, et là vous pourrez trouver tout simplement mes courses, voilà. Alors le but aussi de cette vidéo, c'est surtout de savoir ce que vous en pensez, tout simplement, me dire des avis, bah, tout d'abord sur la course que vous voyez actuellement, la Stunt and Fun, me dire ce que vous en pensez, vos avis, des critiques, positives, négatives, je m'en fous, mais je veux dire que ça soit constructif, savoir comment m'améliorer, c'est surtout le but principal de cette vidéo. Et puis voilà, j'aimerais vraiment connaître l'avis de certains d'entre vous, si vous-même vous êtes fan de stunt. Voilà, puis moi j'adore ça, je veux dire pouvoir utiliser par exemple différents éléments de la map, comme ici on voit que sur le pont, je suis actuellement en train de devoir monter dessus. Moi j'adore ça, pouvoir profiter de l'espace qu'il y a sur une map pour m'en servir en tant que terrain de jeu entre guillemets, je trouve ça vraiment génial. Et voilà, j'adore passer d'un moment à l'autre et je trouve vraiment ça intéressant et je compte bien m'améliorer dans les jours à venir et pouvoir vous proposer des courses stunt de plus en plus fun. Et voilà. Il faut savoir que je mettrai mon pseudo, enfin mon gamer tag dans la description si jamais vous voulez m'ajouter. Et si vous voulez vraiment me donner des petits conseils, tout ça, bah, je vous invite tout simplement à venir en groupe avec moi sur Xbox. Et bah venir me parler directement et me donner des avis, des conseils en direct pour m'aider et pourquoi pas créer des courses stunt à plusieurs et pouvoir genre se passer les courses de l'un à l'autre et se dire ce qui va pas. Vraiment pouvoir essayer de se créer une petite communauté qui pourrait s'entraider pour faire des courses stunt si jamais vraiment vous êtes un peu fan de moi de stunt, voilà. Moi c'est tout pour cette petite vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça commence vraiment à me plaire, je commence à vraiment y prendre goût à ce stunt. Là on va arriver en fin de vidéo. Donc bah moi c'est tout, voilà, comme d'habitude je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis voilà quoi, comme d'habitude, prenez soin de vous et bye tout le monde.